Donc tout d'abord, vous allez venir tracer le patron d'un pavé droit ou d'un rectangle. Enfin, c'est comme un cube, mais sauf que c'est rectangle. Donc sur 13 cm de longueur sur 4. Donc en gros, ça doit vous donner ça, 4 rectangles de 13 cm sur 4, avec 2 carrés là sur les côtés de 4 cm sur 4. Donc voilà. Donc ensuite, pour pouvoir coller, vous allez venir tracer des languettes, donc à main levée. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment à main levée, c'est pas droit ni rien. Donc sur cette partie, celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Voilà, pour pouvoir coller. Alors après, vous allez découper votre patron. Donc voilà ce que ça devrait vous donner une fois découpé. Alors maintenant, on va tout plier en fait dans les deux sens sur les traits. Donc par exemple ici, je plie comme ça et puis je plie de l'autre côté comme ceci. Et on va faire ça sur chaque trait, même pour les languettes. Donc je vous retrouve quand c'est fait. Donc voilà ce que ça devrait vous donner une fois plié. Alors moi, enfin, ce qui ne m'intéresse pas, donc le carton là où il y a des images de chocolat, ça ne m'intéresse pas, donc je pense que je vais le mettre à l'intérieur, ou alors vous pouvez le cacher avec du papier ou un truc comme ça, mais moi je vais le laisser à l'intérieur. Donc sinon maintenant il va falloir mettre de la colle sur toutes les petites bandes comme ça que vous avez pliées également, et puis venir tout coller, sauf cette partie-ci avec cette languette là. Donc voilà ce que ça devrait vous donner une fois debout. Donc là, si vous avez bien laissé une partie que vous n'avez pas collée, il devrait y avoir un peu comme une porte. Voilà, pour pouvoir ouvrir le casier. Alors l'intérieur finalement, je vais mettre du papier. Donc je le fais et puis je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai recouvert tout l'intérieur de papier blanc. Donc on va passer à l'étape suivante. Donc vous allez venir prendre un morceau de carton, donc à peu près comme celui-ci, que vous allez venir plier en deux, à peu près comme ça. Et ensuite, en fait, vous allez venir le coller. Alors, il est où? Là. Vous allez venir le coller ici à peu près. Voilà. Donc je le colle et je vous montre après ce que ça devrait vous donner. Donc voilà, je l'ai collé. Donc ça devrait vous donner à peu près ceci. Donc ce sera le porte-celle. Donc maintenant, on va faire une étagère. Donc pour ça, vous allez recouper un carré de 4 cm sur 4. Alors voilà, j'ai découpé mon carré. Alors vous allez venir en fait mettre de la colle sur 3 de ses contours et puis le placer ici à peu près. Oups. Ici. Pour créer en fait comme une petite étagère. On voit pas très bien. Bref, voilà. Donc je vous retrouve quand c'est fait. Donc voilà, j'ai placé mon étagère dans mon armoire. Donc on va passer au porte-filet et au porte-licole. Donc pour ça, vous allez venir couper deux morceaux de fil de fer que vous allez plier pour qu'il y ait un côté plus grand et un côté plus petit comme ceci. Et ensuite, en fait, vous allez venir mettre de la colle sur le côté le plus grand et coller les deux portes licole et filet, un ici et un plus espacé ici. Donc je vous retrouve quand c'est fait. Donc voilà, j'ai placé mes deux porte-licole et porte-filet. Donc voilà, nous avons bientôt terminé notre casier. Alors ça, c'est une étape facultative. Donc j'ai écrit en fait sur la porte de devant le nom de la propriétaire du casier et puis son cheval, donc là où il y aura son équipement de son cheval, avec un petit dessin. Donc là, c'est un cœur. Donc la propriétaire, c'est Céleste. Son cheval, c'est Maya. Donc voilà. Et donc là, elle pourra ranger toutes ses affaires. Donc voilà, j'ai rangé les affaires de Céleste dans le casier. Donc il y a pas mal de place. Donc j'ai pu mettre une selle sur le porte-selle, un licol, un filet, sa boîte de pansage et sa bombe là sur le côté qu'on voit pas très bien. Donc voilà à quoi ressemble Céleste dans mon centre équestre. Donc voilà, maintenant vous pouvez ranger votre casier dans votre centre équestre. Donc, si ce tuto vous a aidé et vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et puis me laisser des commentaires. Donc, je vous dis à bientôt pour de prochains tutos et de prochaines vidéos.